Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le dimanche 1er septembre 2024 et dans cette vidéo, comme vous le voyez à l'écran, nous sommes sur Ubuntu puisqu'on va parler de cette distribution Linux qui a été publiée ce jeudi 29 août dans la version 24.04.1 LTS. Donc, première version mineure de la branche 24.04 LTS d'Ubuntu qui va concerner toutes les éditions, les éditions desktop avec environnement de bureau, serveur sans interface graphique et tous les produits cloud. Si vous souhaitez avoir toutes les informations de cette annonce sur la liste Ubuntu announce, vous aurez comme d'hab dans le descriptif de la vidéo le lien vers cette annonce. Quand on dit que toutes les éditions d'Ubuntu sont concernées, quand je parle de Ubuntu desktop, c'est évidemment Ubuntu avec l'environnement de bureau Gnome, mais toutes ces saveurs officielles qui sont d'ailleurs listées ici. Donc, si vous utilisez Ubuntu avec l'environnement de bureau KDE Plasma, vous avez Kubuntu 24.04.1 LTS, et donc toutes ces variantes reçoivent cette première version mineure. Pour mettre à jour votre système Ubuntu vers la 24.04.1, si vous avez la 24.04, c'est simple, vous mettez à jour votre système simplement, comme d'hab, il n'y a pas de manipulation particulière à faire. Alors on va pas se taper les notes de version de la Ubuntu 24.04 qui ont été mises à jour, on va juste parler des petites nouveautés qu'il y a dans cette première révision qui d'ailleurs arrive avec deux semaines de retard. Rappelez-vous quand j'avais présenté Ubuntu 2404 LTS au mois d'avril quand elle est sortie. Qu'est-ce que je vous ai dit Je vous ai dit oh, aux alentours du 15 août on aura la première révision mineure. Bon, c'est arrivé avec 15 jours de retard, le temps de corriger un certain nombre de bugs, plus ou moins importants, qui concernent notamment la mise à niveau, puisque je vous le rappelle, chez Ubuntu, sur les branches LTS, c'est la première révision mineure qui signe l'arrivée de la mise à niveau officielle avec l'assistant graphique. Hein. Donc, depuis quelques jours, vous avez peut-être déjà eu la petite fenêtre de notification qui vous dit oh il y a une nouvelle version de ubuntu voulez-vous mettre un niveau vers ubuntu 2404 lts donc c'est pour ça on attend toujours chez ubuntu la première révision mineure donc la mise à niveau est arrivée ça permet aussi ce petit délai qu'il y a entre la sortie officielle de ubuntu 2404 et la première version mineure de faire plein de choses la première c'est d'avoir les bugs de jeunesse Corriger. Ainsi, si vous êtes sur une Ubuntu 22.04 LTS, qui je le rappelle signifie long term support, mais si on installe une LTS, c'est aussi qu'on veut une certaine tranquillité, une certaine stabilité. Donc, quand il y a une nouvelle version d'Ubuntu qui sort, on n'est pas pressé d'y aller dessus. On veut attendre que tout se stabilise. Donc, les petits bugs de jeunesse. Sont corrigés et aussi toutes les nouvelles installations qui sont faites en Ubuntu 24.04. Les gens testent, mettent à jour leur système nouvellement installé. Ça sollicite de manière assez importante quand même les miroirs. Donc le fait de mettre aussi la mise à niveau quelques mois après permet d'éviter une saturation totale des miroirs puisque là maintenant on a plein d'Ubuntu 22.04 qui vont taper sur ces miroirs pour pouvoir se mettre à niveau. Donc, comme ça, d'un côté expérience utilisateur, on a des miroirs qui sont quand même pas trop lents, puisqu'il y a un peu moins de, de saturation sur ces mêmes miroirs. Et qui dit nouvelle version, même si c'est une nouvelle version mineure, les images d'installation chez Ubuntu sont régénérées. Ce qui fait que ces images d'installation, elles sont à jour au mois d'août. Ce qui fait que si vous installez Ubuntu 24.04 aujourd'hui, vous avez. Une image ISO 24.04.1 qui contient toutes les mises à jour depuis le mois d'avril jusqu'au mois d'août, là où ont été générées les images ISO. Donc vous ne vous retapez pas toutes les mises à jour depuis la sortie euh, originale de la version 24.04 d'Ubuntu. Et s'il y avait des bugs dans ces images d'installation, c'est corrigé aussi. Et en plus, parfois ça arrive, et là c'est le cas. On a des petites fonctionnalités supplémentaires qui peuvent apparaître dans les images d'installation d'Ubuntu. On va en parler ici. Alors, l'article d'OMG Ubuntu, je le trouve assez, euh, assez bien parce qu'il résume très rapidement euh, les, les impacts de cette Ubuntu 24.04.1. Donc, dans la liste des nouveautés, il n'y a rien de révolutionnaire. On est toujours sur la base 24.04 d'Ubuntu. Hein, donc, le socle de logiciel est toujours le même. On a quand même des améliorations sur les snaps qui sont installés par défaut, notamment Firefox qui est à jour et qui a eu quelques petites modifications et aussi le App Center. Vous vous rappelez la Logitech On en avait parlé au mois d'avril-mai. Au début de la sortie de Ubuntu 24.04, vous récupériez un fichier Deb depuis Internet, par exemple Google Chrome, Vivaldi. Ou euh, peu importe, un fichier Deb, vous ne pouviez pas l'installer en double-cliquant double dessus avec la Logitech. Eh bien, ça a été corrigé au mois de mai-juin, on en a fait une vidéo. Eh bien, dans ces images d'installation, si vous installez Ubuntu 24.04.1, vous avez cette Logitech avec ce bug qui est corrigé, vous évitant d'installer manuellement GDB par exemple. Ça, ça concerne uniquement. Ubuntu, puisque les variantes telles que Kubuntu ou Xubuntu n'avaient pas ce souci, c'est propre à la Logitech qui est livrée dans Ubuntu directement. Et dans les images d'installation, on a un mode OEM qui euh, vient euh, se greffer à ces images d'installation. Donc ça va faire une installation comme sur Fedora Linux. Vous vous rappelez, quand on installe Fedora Workstation, on installe le système, on a quelques questions, mais pas toutes, et on au premier démarrage, on a l'assistant de GNOME, le GNOME Initial Setup, qui vous demande de régler quelques paramètres et qui vous demande de créer un compte utilisateur pour pouvoir utiliser le système. Et bien là, ça arrive chez Ubuntu, donc dans l'outil d'installation pour Ubuntu Desktop. Donc ça concerne Ubuntu uniquement, pas les variantes telles que Xubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Cinnamon. Avec d'autres environnements de bureau, ce qui vous permet donc de faire une install, de pré-installer Ubuntu avant de donner, vendre une machine. Et comme ça, à la première utilisation, c'est l'utilisateur qui a acquis cette machine, qui met le nom de compte qu'il a envie et le mot de passe aussi. Donc ça, c'est pour les images d'installation de la Ubuntu. Et les images Raspberry Pi, puisque vous le savez. Ubuntu est aussi disponible sur Raspberry Pi, et eh bien les images d'Ubuntu 24.04.1 de Raspberry Pi qui sont aussi régénérées, et eh bien ont également ce système de premier démarrage avec le Gnome Initial Setup, ce qui fait que vous récupérez l'image Raspberry Pi, vous la décompactez sur votre carte SD, vous démarrez votre Raspberry Pi et vous avez un petit assistant de post-installation de Gnome qui vous permet de créer votre session, qui vous permet. Euh, de configurer un minimum le système qui a été décompressé sur votre carte SD pour l'utiliser sur votre Raspberry Pi. Voilà. Et par contre, pour le moment, je dis bien pour le moment, on a toujours le noyau 6.8 dans cette Ubuntu 24.04.1. Vous vous rappelez, c'est le noyau 6.8 qui a été livré euh, au mois d'avril. Il est toujours là au mois d'août. C'est le noyau HWE qui est utilisé chez Ubuntu, ce qui fait que il va évoluer au fur et à mesure du cycle de vie de Ubuntu et quand Ubuntu 24.10 va sortir au mois d'octobre, on aura probablement le noyau 6.11 ou peut-être 6.12, ça dépendra du calendrier. Et eh bien, c'est à ce moment-là que la Ubuntu 24.04 qui aura sa potentielle deuxième révision arrivera avec une mise à jour du noyau Linux. Donc ça, c'est tout ce que je souhaitais vous dire là-dessus par rapport à Ubuntu. Maintenant, ici, je vous ai quand même installé une Ubuntu 22.04.4 LTS. Donc si vous souhaitez mettre à niveau votre système, vous faites quoi Vous lancez simplement l'outil de mise à jour qui va vous proposer de mettre à jour, comme d'habitude, votre système Ubuntu. Donc ça, on va le faire maintenant. Alors je vous accélère parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Et voilà, les mises à jour sont terminées sur notre système. L'outil nous dit que tous les logiciels sont à jour. Cependant, on a la version 24.04.1 LTS d'Ubuntu qui est maintenant disponible. On est sur la 22.04. Donc je vous montre rapidement l'outil de mise à niveau qui franchement ne change pas du tout et qui fonctionne toujours aussi bien avec un rappel sur les notes de version. L'outil va désactiver, comme d'habitude, tout ce qui est veille écran de veille sur le système. Ici sur ce système j'ai installé plein de plein d'applications hein, donc c'est juste pour vous montrer que après la mise à niveau ça fonctionne toujours aussi bien. Si vous avez des logiciels installés depuis des sources tierces elles sont désactivées et il faudra penser les réactiver après la mise à niveau, donc ça c'est désactivé pour garantir une certaine stabilité et que les logiciels tiers euh, avec leurs différentes sources ne puissent pas trop interférer avec euh, la mise à niveau du système, sachant que euh, on a quand même besoin de moins en moins de, euh, j'allais dire, de, de PPA, de sources tierces maintenant avec les snaps, où on a quand même un catalogue assez Complet qui va nous permettre d'avoir des versions plus récentes de certains logiciels qu'on a de base dans Ubuntu. On utilisait beaucoup l'IPPA à une époque pour avoir une version plus récente de LibreOffice, plus récente de tel ou tel logiciel. Maintenant, avec les snaps, voire même avec les paquets Flatpak, on peut avoir des logiciels beaucoup plus récents sur une base Ubuntu LTS. Donc je vous accélère cette partie-là. Ici, on a un petit résumé. Avant de commencer la mise à niveau, 187 paquets vont être supprimés, 582 nouveaux paquets vont être installés, des nouvelles dépendances et 1824 paquets vont être mis à jour. Donc euh, 2 Go, euh, 2, euh, 2 euh, 4 demandés pour le téléchargement. Donc vérifiez que vous avez assez de place aussi sur le système. Et on vous rappelle quand même que vous devez fermer toutes les applications qui sont éventuellement ouvertes avant de lancer la mise à niveau. Donc moi je vous accélère ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc là, oui, effectivement, euh, entre Ubuntu 2204 et 2404, on a Thunderbird qui passe en Snap. Donc ici, on nous dit juste qu'il faut bien vérifier que Thunderbird, il est fermé pour pouvoir migrer notre profil du logiciel vers la version Snap, si jamais euh, on l'utilise. Donc là, hop, suivant, je vous accélère la suite. Que la mise à niveau est terminée. Il nous supprime quelques paquets obsolètes dont on peut voir les détails ici des paquets qui ne sont plus nécessaires, des vieilles dépendances et ici des paquets qui ne servent plus, notamment le, le méta-paquet pour le noyau Linux de la 22.04. Donc, pareil, je vous accélère ça. Ça prend quelques instants et en une demi-heure sur cette machine qui a deux CPU 4 Go de RAM, c'était assez rapidement. Plié malgré le nombre conséquent de logiciels qui sont installés. Et voilà, la mise à niveau est terminée. On est invité à redémarrer maintenant. Donc le système redémarre. Tchouk Et là, c'est notre Ubuntu 24.04 LTS qui démarre. Et on va juste vérifier dans le panneau. Des paramètres système de GNOME, qu'on est bien sur la Ubuntu 24.04, je vous lance quelques applications afin de clore cette vidéo sur une mise à niveau réussie comme on en a l'habitude chez Ubuntu. Hop Donc je me connecte ici. Et on est sur le bureau. Là, je vais dans les paramètres système. Je vous montre ici dans système à propos qu'on est bien sur la Ubuntu 24.04.1 LTS. Ma personnalisation de GNOME avec les dossiers bleus, la coloration bleue est restée, hein, puisque j'avais personnalisé le fond d'écran, mais également la, ici la, la couleur prédominante qui par défaut est sur orange. Là, je m'étais mis en bleu pour vous montrer que, que les, petites, les petites modifs qu'on fait bah, sont toujours bien fonctionnels. Hop. Donc, je vous lance ici, je sais pas, moi, par exemple, Easy Tag. Donc, LibreOffice Writer, il est là. Easy Tag, il est fonctionnel. Euh, on a Convertisseur Audio, nickel. On a Remina, toujours très bien. Audacity, alors je ne l'ai pas configuré. Ok. Et donc là, Audacity fonctionne, sachant que j'avais installé. Des applications en Snap, des applications avec la Logitech graphique. En fait, je me suis pas trop posé la question. J'ai installé les applis avec le, la Logitech. Donc, j'ai pris le premier choix par défaut. Donc, ici, euh, je vous ai lancé quoi OBS Studio, je vous le lance. C'est un Snap, par exemple. Audacity, c'est un Snap. Donc, OBS Studio, toujours un petit peu plus long à lancer. Nickel. Donc, vous voyez, des applications Snap ou des applications. Qui étaient installés par défaut sont bien fonctionnels ici et on n'oubliera pas avant quand même de terminer cette vidéo d'aller dans logiciel et mise à jour et d'aller réactiver les sources tierces dans l'onglet autres logiciels ici je réactive mon dépôt google et mon dépôt Vivaldi sinon nos, nos logiciels installés depuis des sources tierces ne se mettront jamais à à jour. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur l'annonce de la 24.04.1 LTS d'Ubuntu et de ses variantes vous aura plu. Des nouveautés, de la petite démonstration de mise à niveau, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos retours d'expérience si vous êtes sur ubuntu soit en machine physique ou virtuelle j'aime bien lire un petit peu vos, vos retours d'expérience vos, vos différents tests que vous avez fait ça permet aussi d'étoffer cette vidéo par vos expériences personnelles à chacun j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao bye, bye.